La RSE, responsabilité sociétale d'entreprise. Ou autrement dit, c'est la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses activités dans le domaine social, économique et environnemental. Les valeurs de la Caisse régionale des Côtes d'Armor sont à 100% RSE compatibles et la démarche de responsabilité sociétale constitue un moyen de moderniser ces valeurs mutualistes et de les rendre encore plus visibles. Donc, comment se traduit la politique RSE de la Caisse ? La construction de notre politique RSE a démarré avec la réalisation d'un état des lieux de la situation au sein de notre Caisse régionale, état des lieux réalisé de février à mai 2012. Après, il a fallu structurer notre démarche. Pour cela, des groupes de travail et un comité RSE ont été constitués. 9 élus et 24 salariés ont également pris part à cette démarche participative, ce qui nous a conduit à une politique RSE basée sur 4 domaines. Gouvernance, environnement, social et éthique et responsabilité. Au final, la RSE, la Caisse régionale en fait depuis toujours. Mais il est essentiel de structurer toutes ces actions pour se différencier aux yeux des clients et d'améliorer notre performance globale dans la durée. La Caisse régionale des Côtes d'Armor a donc été évaluée par l'organisme Vigeo selon la norme ISO 26000. En octobre 2013, c'est donc 95 personnes qui ont été interrogées et 350 documents analysés. Cette évaluation positionne la Caisse régionale à un niveau probant, soit au troisième niveau sur 4. S'inscrivant dans une démarche de progrès, la Caisse régionale va poursuivre les actions engagées dans tous les piliers de la RSE. Deux domaines vont faire l'objet d'une attention particulière. Le domaine environnemental, en renforçant le pilotage et la visibilité des actions menées, et celui lié aux relations avec nos fournisseurs et prestataires, avec la création d'une politique d'achat responsable. L'audit de renouvellement a lieu tous les 18 mois. Rendez-vous donc en avril 2015.